Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Une recette de APF au air fryer, très facile à faire. J'ai lavé et découpé mon poisson. Je vais venir l'assaisonner. Bon, pour l'assaisonnement, c'est au goût. On peut faire qu'avec du sel. Moi, j'ai mis du sel et un mélange d'épices. Voilà, on va bien l'assaisonner. Et là, on va venir ajouter un peu d'huile de palme. On va faire en sorte que l'huile de palme soit bien étalée sur tous les morceaux de poisson. Dans mon air fryer, j'ai mis du papier cuisson. Je vais venir mettre du riz, du sucre et des thés noirs. J'ai mis 3 sachets de thé noir. On va bien mélanger et on va poser la grille. On va poser nos poissons sur la grille. On va mettre à cuire à 180 degrés jusqu'à ce que le poisson soit bien doré. On n'hésite pas à la retourner à mi-cuisson. Donc pour l'accompagner, j'ai fait un petit condiment, oignon, tomate que j'ai découpé. J'ai aussi pilé mon piment. Donc j'ai pilé mon piment, j'ai ajouté un peu de sel, du poivre, du cube, un peu de moutarde et du jus de citron. Voilà pour la tieke, moi je l'ai chauffée au micro-ondes. J'ai ajouté un peu d'huile, du cube, du sel et un peu d'eau. Je vais le couvrir, je vais le filmer et on va laisser cuire 4 minutes au micro-ondes. Voilà, mon poisson est prêt. Je l'ai retourné à mi-cuisson jusqu'à ce que ça ait une belle couleur. Voilà, on va venir ouvrir le poisson. Cette étape est facultative, mais ça va permettre de griller un peu. On va griller un peu l'intérieur du poisson. Donc, on va l'ouvrir. On va ouvrir le poisson. Voilà, je le remets dans le air fryer et je vais laisser griller pendant 5 minutes, toujours à 180 degrés. Voilà, après les 5 minutes, je vais venir mettre un charbon sur du papier alu et je vais mettre un peu d'huile dessus pour pouvoir donner le goût du fumé. Voilà. Une fois que la fumée s'arrête, c'est bon, c'est prêt. Donc, je l'ai servi avec mes condiments. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!